Bonjour à tous. Bienvenue pour les tirages du mois de décembre. Décembre 2021, on va commencer ces tirages. Donc pour qu'ils soient prêts pour ce mois de décembre, les tirages des 12 signes astrologiques pour le général et les tirages pour le sentimental. Bienvenue à vous. Ici, on va regarder quel signe sera pour aujourd'hui. Je tenais juste à vous remercier en préambule pour ceux qui m'ont souhaité bonne chance, du courage, de l'amour, de la patience, de la guérison. Aujourd'hui, parce que j'ai dû aller à l'hôpital, je suis de retour, tout va bien. J'ai juste, que vous sachiez, une polyarthrite depuis quelques années. Et c'est vrai que ça me pose problème aux hanches, au dos, aux articulations. Et c'était donc rendez-vous à l'hôpital. Ça m'a pris une partie de la journée. J'ai pas pu faire mes petits messages Facebook comme d'habitude. Puis je voulais vous remercier beaucoup pour vos messages de gentillesse, de partage et de soutien. C'était très 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 agréable à vous lire. En tout cas, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis là, ça va. Sachez-le, mais j'ai une maladie, oui, qui est auto-immune. C'est comme ça. Donc effectivement, je suis parfois fatiguée, mais c'est la vie, hein. On essaie de gérer au mieux. On va commencer par ce tirage. Alors, en choisissant le signe, quel sera le signe pour ce mois de décembre 2021? Donc, c'est vrai que la santé est importante. On va choisir au hasard. On a les cancers. Ok, je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait pas mal de tirages en novembre. Alors, j'en ferai pas autant. Là, on va pas faire les tirages de par quinzaine. On va faire les tirages pour le mois de décembre général. Ensuite, pour le sentimental général, décembre complet. Et puis ensuite, je ferai, je pense, ce tirage fin d'année, quelque chose autour de Noël. D'accord? On va faire tirage sur les fêtes, quelque chose comme ça. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, bienvenue pour votre tirage de décembre 2021. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi pour compléter le tirage. Et puis, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, donc abonnez-vous simplement. Cliquez la petite cloche qui est à côté à droite en haut pour recevoir les vidéos que je sors. Pour vous, c'est gratuit, totalement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre, mais ça nous aide nous. Ici, si vous désirez une guidance particulière plus précise que ce tirage général, eh bien, vous pouvez m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Alors, on va regarder quelques énergies ici avec l'oracle. Je ne me rappelle plus. L'oracle, j'ai la lumière. L'oracle psychique, le tarot psychique. Alors, Cancer pour décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Cancer pour le mois de décembre 2021. Sur votre signe, je garde la carte pendant que je pose la question pour être le bien connecté sur votre signe pour le mois de décembre 2021. Donc, on a l'univers, connexion avec l'univers, ouverture avec l'univers, les mondes invisibles. Là, on parle que vous allez aller de l'avant, mouvement positif de l'avant. Je vais les expliquer après. Alors, message angélique. Cancer pour le mois de décembre. Cancer pour le mois de décembre 2021. Est-ce qu'il y a un message pour les cancers pour le mois de décembre 2021? Qu'ils nous disent. Tu es prêt?
et la situation va avancer. Alors, il y a de l'avancement là pour les cancers. La situation avance, va se faire, suit le flot. J'aime beaucoup ces cartes messages angéliques hein, parce qu'elles parlent bien de ce qui va se passer. Elles sont vraiment prévisionnelles. Il y a une notion de destin, de connexion à l'univers, comme si quelque chose vous arrive qui est prédestiné. Ici en décembre, on voit que vous avancez vraiment avec ces deux cartes. Là, on avance avec le flux de la vie, on avance avec les dauphins, on dit allez avec le courant. Là, on nous dit qu'il y a un mouvement positif de l'avant, on avance à nouveau. Il y a un avancement parce que vous êtes prêt. Dans quel domaine, ça on va voir. Mais je sens ici que c'est quelque chose lié à une destinée. Hein. Parce que là, les mois de précédents, c'était des réglages, de karma, de fin, de début. Là, le mois de décembre va être différent parce que j'ai l'impression qu'on va plus trouver notre voie, notre place, qui on est et où on va. On avance bien, on suit le courant, on est porté par l'univers qui nous guide. On nous dit en tout cas, vous êtes prêts. Hein. Vous avez réglé ce qu'il fallait régler. Donc, tout est bon pour un nouveau départ. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle du sixième sens, donc les cancers en décembre, et je vais recouvrir avec le dixième oracle. Les cancers pour le mois de décembre. Cancer pour le mois de décembre 2021. La chance, le repos, le calme, la paix, rupture. Des nouvelles. Je regarde. Sinon, on va faire une coupe. Vous quittez une situation, ouais, vraiment, vous avancez vers quelque chose d'autre. Hein. Là, on voit que vous quittez une situation, un travail, un problème, une relation, un partenaire, une maison. Il y a une rupture avec l'ancien. Il y aura pas mal de paperasse à faire en décembre. Donc, on peut aussi parler vraiment d'étrangers. Hein. Certains vont partir à l'étranger. On dit c'est une chance d'avoir coupé avec l'ancien, qui peut être plein de choses, pour ce mouvement en avant. D'accord? Il y a vraiment une rupture avec le passé, pour quelque chose de tout neuf. Comme je vous ai dit, qui peut être en rapport avec la destinée. Il y a la chance qui sera avec vous en ce mois de décembre. Donc tout va vous réussir. Les choses vont vous réussir. Ce que vous désirez avoir, vous l'aurez. Je vous ai dit, ça peut être aussi un départ à l'étranger. Ça peut être quelque chose qui se prépare quand même, parce qu'il y a pas mal de courriers à faire, pas mal de papiers. Ça peut être un déménagement. Ça peut être. Ouais, on quitte une situation, on a quitté une situation qui va vous parler. On va voir juste si j'ai tout le visuel. Dans le jeu, il y a un autre angle de vue. Je ne sais pas si vous allez aimer, vous me direz. Ok. Que nous dit la coupe? La famille, l'amitié. Alors, peut-être qu'ils ont un grand rôle dans ce mois. Hein? L'amitié, il y a du support. Dans la famille, il y a du support. Ça parle d'aide, ça parle d'amour, ça parle de fusion. Alors là, je vois vraiment beaucoup d'aide autour des cancers.
Je crois que j'avais vu que vous allez réaliser quelque chose de neuf, hein, le tirage de novembre, du 15 au 30 novembre, pas que ça colle. Vous allez vraiment faire quelque chose qui est en rapport avec une passion. Après une période un petit peu lascive, on va dire, et là, on voit qu'il y aura beaucoup de monde autour de vous, famille ou amis, qui vont venir vous aider. Il y a un soutien en tout cas de leur part. Un grand soutien de leur part. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, pour les cancers en décembre 2021. Alors, jalousie. Ah ouais, là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Bon, on voit ce nouveau départ, on voit cet avancement et on dit c'est positif. Il y a la chance qu'avec vous, beaucoup de démarches à faire. Par contre, on risque de vous jalouser parce que vous allez vers quelque chose qui est en rapport avec ce que vous aimez. On voit bien la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Mouvement positif de l'avant. Quelque chose qui est en train de germer, qui n'est peut-être pas encore prêt totalement. Il y a un projet. Est-ce qu'il y a une notion de grossesse? Peut-être pour certains cancers, c'est possible aussi. Mais je sens, voilà, ce que je voulais dire. Vous allez être en paix. Bon. À cause de la chance, on peut avoir la jalousie autour de nous. Laissez les gens parler. Vous allez vous trouver enfin en paix parce qu'il y a aussi un nouveau départ. Là, vous partez du passé, vous arrêtez avec ce passé parce que ça vous rendait malade. Il y a eu de la trahison ou vous avez trahi. Donc, voilà. Ça s'est pas bien passé. J'ai l'impression dans une relation amoureuse qui était peut-être à l'étranger. Où ça va se faire ce mois-ci, hein? Vous allez rompre avec ce passé. Vous allez rompre parce qu'il y a quelque chose qui vous rend mal. Vous allez arrêter cette situation, je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir avancer. Beaucoup d'administration, vous allez avancer parce que vous partez d'une situation où il y aurait eu du mensonge, la fausseté, des personnes pas très honnêtes, pas très claires avec vous, la trahison. Alors soit dans votre couple aussi, hein, parce que ça peut toucher bien sûr l'amour. Ou ça peut toucher une passion, ça peut toucher quelque chose qu'on aime, la famille, etc. Mais c'est très bien de faire cet avancement comme une sorte de destinée qui nous dit maintenant, voilà, tu coupes avec ce passé, tu vas de l'avant, ça te rend malade. Tu ne pouvais pas continuer, c'est ce que j'ai vu aussi, hein. Il y a, vous trahissiez par exemple vous-même, vous ne faites pas forcément ce que vous aimez. On va compléter avec le dixième oracle pour voir ce qu'il va nous dire. Alors j'aimerais une carte supplémentaire sur la chance, donc les cancers pour décembre 2021. Cancer, on va faire décembre 2021, cancer, décembre 2021. Cancer, qu'est-ce qu'il y a pour les cancers en décembre 2021? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe qu'on peut regarder. Alors, il y aura des nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Elles sont ici. Donc, on ne voit pas le bas. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Quel domaine vous regardez, hein? On va m'ajouter les cartes là en bas. Si vous les voyez pas, c'est pas grave. Et je vais demander une carte supplémentaire sur la chance. Ok, une carte supplémentaire sur les vacances, sur la paix. Une carte supplémentaire sur la rupture. Une carte supplémentaire sur les nouvelles. Une carte supplémentaire sur l'étranger. Carte supplémentaire sur la jalousie. Supplémentaire sur la grossesse, sur la maladie, la trahison, l'amour. Ok,
Donc la chance viendra par rapport à des nouvelles en décembre, chers amis cancer. Attendez-vous à recevoir des messages, des nouvelles, des papiers importants. Alors, ça peut être l'administration qui gère votre argent, ça peut être juridique, ça peut être des nouvelles que vous apprenez par quelqu'un aussi. Ça va vous apporter de la chance, une réussite. Ça peut être aussi pour un contrat de travail. Ça parle pas trop ici de travail, j'ai l'impression. Je vois pas trop de quel domaine. Donc vraiment, essayez de voir dans quelle situation ça vous parle. On nous dit vraiment, ça c'est aussi les bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles qui vont vous apporter la paix. Ok? Ça commence bien. Là, on voit que la rupture est en lien avec la fidélité. Il y a eu quelqu'un d'infidèle, il y a eu une infidélité. On vous a fait faux bond, on a eu une trahison, hein. Faut pas l'oublier. On voit qu'il y aurait une amélioration de votre vie vers l'avant suite à une trahison qui pourrait être amoureuse. Là, on reparle de nouvelles. Hein. Donc, il y a de l'écrit, il y a de la paperasse. Vous voyez, la lettre plus les nouvelles, c'est vraiment beaucoup de paperasse à faire. Alors c'est soit pour du travail, soit pour un déménagement. Par exemple, un déménagement, ça demande énormément de paperasse, hein. Donc il y a peut-être des déménagements, se mettre à son compte, un nouveau travail, quelque chose comme ça. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. D'accord? Là, l'étranger, ça pourrait être. On nous parle d'un homme. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre possible en décembre avec un homme qui serait étranger? C'est possible aussi. Ok. Là, eh bien, on nous dit la jalousie pourrait créer quelques petits problèmes dans votre vie, les cancers, donc au niveau sentimental. Il y a effectivement quelque chose qui se termine du passé et il y a du renouveau qui est en train de prendre forme. Hein? C'est ce qu'on vous a dit. Vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment prêt pour avancer. Le cercueil, c'est la fin d'une situation. La grossesse, c'est la préparation d'un nouveau mode de vie, une nouvelle vie, un nouveau projet. Il y a la maladie ici avec le jardin. J'ai l'impression que quelque chose vous rendait mal. Une sorte de vie. Alors, soit ça peut être un endroit où vous n'étiez pas bien, où il fallait quitter, ou un endroit ou une entreprise où il y avait beaucoup de monde, ou un lieu où il y avait trop de monde, ou un espace avec beaucoup de personnes. La trahison, on nous parle bien d'une femme ici, c'est la femme, comment expliquer? Ici, c'est la femme de pique, c'est la maîtresse où il y aurait eu. Oui, il y a une rupture d'infidélité. Ici, il y a une sorte d'infidélité. Hein. Je ne peux pas savoir si c'est vous ou l'autre. Il y a ça que vous allez régler durant ce mois de décembre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour qui arrive avec l'étranger, qui est aussi, donc amour, amour, quelque chose qui va être ancré, qui va être sur la durée. Hein. Donc ça parle de pas mal de choses. Ça parle de pas mal de domaines. Beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles que vous allez recevoir. On nous parle effectivement que vous quittez une situation qui a l'air d'être liée à l'amour, qui vous rendait vraiment mal, qui n'était plus bonne du tout. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer, de se préparer. Un travail, je vous ai dit, un déménagement, une mise à son compte. Il y aura un peu de jalousie. Alors, je ne sais pas qui, mais peut-être des gens autour de vous, des amis. Alors, bon, avant, on avait des amis, la famille, je ne pense pas. C'est peut-être plus en rapport avec certains qui étaient en couple, qui peuvent vous jalouser. Ou bien, il y a eu une trahison et vous la quittez pour ce mois de décembre pour partir vers du renouveau aussi. Hein. Parce qu'à la rupture, on voit que vous quittez quelque chose qui vous rend malade. Vous le faites, vous l'avez fait, vous allez le faire. Ok? Avec les cartes de l'amour, on va regarder. Je vais couvrir de quelques cartes. Les cancers pour l'amour. Cancer pour l'amour.
décembre 2021. Cancer, amour, décembre 2021. Donc, en bas, je fais la coupe. Retour d'un amour. Quelque chose d'assez passionnant. Ah bon? Bon. Ça peut engendrer une certaine jalousie, bien sûr. Alors, il y a la fin d'une histoire. Vous terminez les cancers, une relation. Gestation, elle tombe sur la carte de la grossesse. Il y aura des femmes qui risquent d'apprendre qu'elles sont enceintes en ce mois de décembre. Il y a bien la fin d'une histoire d'amour. Il y a bien le début d'un nouvel amour. Ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je vous ai dit. Hein. La trahison là, qui se termine, vous coupez parce que ça vous rendait malade. Vous allez couper avec cette personne, vous coupez avec cette personne. Il y a la notion de destinée, l'univers. Cette relation fait partie de votre chemin de vie. Et puis, il faut protéger, il faut vous protéger et faire de la purification pour donner des nouvelles énergies à tout ça. On sent énormément cette notion de renouveau, de couper avec l'ancien, de lâcher carrément l'ancre, de couper la corde qui est reliée à cette ancre, de laisser le passé derrière vous et d'avancer comme avec ce bateau. Parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui vous arrivent, des bonnes nouvelles, des bonnes paroles, des invitations, des surprises. Beaucoup de papiers à faire, vous allez devoir faire pour ce renouveau en décembre. Il y a la fin d'une histoire à cause de jalousie et de tromperie. Il y a la rencontre de quelqu'un de nouveau, qui peut être étranger ou qui vient d'ailleurs. Bon, à la coupe, j'ai vu le retour d'un ex, mais bon. Et puis, ce nouveau couple, on nous parle amour qui dure aussi sur le temps, mais ça commence par la fin d'une histoire. Il y a vraiment une transition ici. Et protéger, alors quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, s'il y a les énergies négatives du passé, faites une purification, un nettoyage, quelque chose comme ça, qui sera important pour pouvoir donner maximum de chance à votre nouvelle histoire d'être propre, sans scories du passé, d'accord? Protégez votre couple. Il y a certains ou certaines qui vont voir un projet, ça peut être un projet amoureux, se mettre sur pied, ou il y a peut-être des grossesses qui vont arriver déjà en décembre, peut-être avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Je vais terminer avec un message des filles. Et puis, je voulais faire au début votre numéro, ou bien, est-ce que je voulais regarder le jour? Donc aujourd'hui, nous sommes mardi, j'ai un autre message à vous délivrer. Donc c'est le message du jour, du mardi. Ben voilà, c'est exactement ça. On nous dit, commence à être créatif, mais sur papier, tes idées, tes projets. C'est bien ça. D'accord? Ça, c'est le premier message. Alors, pour les cancers, posez sur papier, soyez créatif. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous de nouveau. Ça fait un petit moment et ça va devoir se éclore bientôt. Un conseil pour les cancers. Cancer décembre 2021. Cancer décembre 2021. Oui, il y a la notion d'enfant et la notion d'amour. Effectivement, je vois la fin et le renouveau au niveau amoureux. Rencontrer la bonne personne, parce qu'il y a vraiment l'amour très fort ici qui sort en dernière carte hein, et qui va s'ancrer dans la durée. Vous voyez? C'est beau. Et en plus, en dessus, un très bel homme qui vient de l'étranger ou qui serait différent, qui vient d'un autre endroit. La carte conseil ben, nous parle de nouveau de la vie amoureuse. Votre tirage parle beaucoup de ça. Donc, on nous dit que la base de la relation amoureuse, non, la,
La base de ta question est ton rapport avec ta vie amoureuse qui maintenant est en train de changer vers le meilleur. Bon, je ne peux pas dire plus, c'est exactement ça. Il y a une vie sentimentale, une amélioration de votre vie générale, amoureuse ou en lien avec d'autres, qui est en train de changer pour le meilleur. Voilà, chers amis, cancer. Merci pour vos retours. À tout bientôt pour les tirages sentimentaux. Au revoir.